Hey, hello tout le monde. On est là pour Crooks, le Big Ice. Yeah. J'adore la musique de ce jeu et bienvenue pour une nouvelle épopée d'infiltration, de réflexion et d'aussi de braquage, cache. Wouhou, yeah. Enfin, moi je suis absolument fan de ce jeu et de la musique et de compagnie. Et on va donc continuer l'histoire. Nous avions fait, voilà, cela, et maintenant nous allons aller à la stratégie Miranda, difficulté 2. Au musée d'art moderne, vous allez échanger la pierre de lune contre une réplique, déclencher l'alarme et attendre la police. Cléopâtre s'échappera discrètement avec la pierre et Murray se croira débarrassé de vous. Donc il va falloir qu'on se fasse prendre délibérément. C'est pas trop mon kiff. Mais allons-y, on est parti, mes enfants, ne perdons pas de temps. La fameuse pierre de lune. Allez, c'est le moment. Murray ne se doute de rien. On peut aller voler la pierre de lune à l'expo. Surtout ne pas toucher la vitrine principale. Même le directeur du musée ne peut pas faire ça sans déclencher l'alarme. Le musée est équipé d'un système de transport servant au projet de restauration. Ah. Quand ce système fonctionne, l'alarme est coupée. Ah, il va donc falloir l'activer. On va envoyer la pierre de lune dans la zone de restauration et c'est là qu'on la remplacera par la réplique. D'accord. Première étape, avant d'emmener bébé en balade, il faut neutraliser les caméras braquées sur la pierre. Oh my god. Il y en a 4 en tout. Si jamais on se fait filmer, on aura toujours la possibilité d'effacer la bande. On trouve le terminal et après, on passe un bon coup d'aimant pour faire disparaître les enregistrements. D'accord. Donc ça, c'est avec ce qu'on achète, que j'ai jamais utilisé encore. On a de la marge de manœuvre. Quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas oublier ce deuxième terminal. Je m'en occupe dès que le premier est HS. Tout ce qu'il me faut, c'est la clé. Putain, ensuite, on se sert d'un interrupteur à bascule pour commencer à déplacer la pierre. D'accord. C'est un appareil un peu spécial, vu qu'il peut avoir différentes applications. Dans la zone de restauration, on récupère la pierre et on renvoie la réplique à l'expo. D'accord. À mon avis, les caméras, on peut pas les couper du coup. Enfin, je Attention. Sais pas. Certaines barrières optiques sont si complexes que ce serait une perte de temps de les désactiver. Il faudra déterminer à l'avance qui s'y collera. Et de quoi il aura besoin. Oh là là. Troisième étape, et c'est là l'astuce. On se retrouve devant la vitrine principale, je file avec la pierre, et vous déclenchez l'alarme. Vous vous faites arrêter pour que Murray croie qu'on s'est planté. Puis je remets la pierre à Don Cesare, qui la gardera en lieu sûr. Murray n'osera jamais s'attaquer à lui. On n'a rien oublié? Le musée ne date pas d'hier, certains murs sont un peu branlants. Ah! Rufus? C'est là que tu interviens. On peut foutre de la dynamite. Pas de problème, Cléo. Mais nous oublie pas quand on sera en tôle. T'inquiète, va. J'ai déjà un plan. Ah ah. Oh mon dieu, ça va être compliqué, les enfants. Enfin, les enfants. Vous, quoi. Ça va être très dur à remplacer la lune par. La pierre de lune par une réplique. Bâtiment principal. Acheminer la pierre de lune vers la zone de restauration. Désactiver les 4 caméras braquées sur la pierre de lune. 0 sur 4. Ok, échanger la pierre de lune contre la réplique, renvoyer la réplique à l'exposition, se retrouver à la sortie, déclencher l'alarme et attendre un peu. Nous avons 12 trésors à trouver. Ok, ça m'a l'air chaud bouillant, donc déjà Cléopâtre, elle est d'office dedans. Oh là 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 là. Alors, on a besoin de... pas forcément... Ah, on aura les 4, donc il n'y a pas de problème, on va avoir les 4 mecs. Lui, il fait que ça... Lui, il reste là. Ça, ça désactive cette porte-là. Si on arrive ici, il doit y avoir un garde, non? De base. Ouais, lui, il fait que regarder. Mais là, on a une caméra. Putain, ça va être chaud, les marrons, là, je le sens. Lui, il fait quoi? Lui, il fait le tour ici. Ça, c'est un truc à minuterie. Oh là 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 là. Attendez, ça, ça se désactive pas. Ah si, là. Ah oui, d'accord.
genre on active ici Chouk Chouk, là et ben là qui va désactiver ici pour rentrer là. Oh là là. Oui, d'accord. Ok. Là on a un aimant. On a des choses, des semelles. Franchement là je regarde, mais effectivement je sais pas du tout par quoi commencer quoi. De toute façon ce sera une fois que le jeu je vais lancer la partie, parce que ça m'a l'air mais tellement chaud les bouillons quoi. Alors, ah, il y a une caméra, c'est ici. Ok, la caméra c'est ici. Et ici. Ok. D'accord. Donc déjà, désactiver la première caméra, c'est normal, il y a le faisceau vert. C'est que c'est ici qu'il faut le faire. Problème, mais pour rentrer dans cette pièce. On peut rentrer par là. On peut rentrer par là et par là. Mais il y a ça. Et ça, ça se désactive ici. Ah bah oui. Et puis il y a le truc là. Ah bah c'est simple comme jongbou alors. Bon ok. Bon on va y arriver. Hein. Allez, on va... Choix de l'équipe. On va prendre tout le monde. Cléopatra. Bah non, bah c'est bon. Lui je le mets en catcheur. Non, c'était ça que je vais faire. Ouais, non, ça c'est bon. Ok, on va les équiper. Bishop, on va te donner tes petites pilules. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fourche Tesla recable en 5 secondes des tableaux de distribution pour activer ou désactiver les systèmes connectés. Ah, c'est cher. Toi, tu vas prendre ça et tu vas prendre une dynamite. J'espère juste que tu auras le temps. Toi, tu vas prendre un pied de biche. Ouais, je sais pas trop si je vais prendre un chloroforme ou pas. Toi, recâbler les tableaux de distribution. Est-ce que du coup, un petit témoin vidéo? On va en reprendre un. Bon, il y en a un autre à choper par là, mais... J'ai peur de trop les blinder. Elle, je vais... Je sais pas. Pendant 30 secondes. On va lui prendre un brouilleur de caméra. Je les blinde pas au niveau de l'inventaire, puisque après, on va me dire qu'ils ne pourront plus prendre certaines choses. Bon, bah allez, on est parti. Hein. Oh là 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 là. Ça promet. Primo, acheminez la pierre de lune là où on veut. Vous coupez les caméras et vous lancez le système de transport. Et c'est où qu'il faut l'amener, le truc? Ah, c'est là. D'accord. Bon, hein, on est parti, les enfants, quoi. Alors, première chose, ce sera... Oui, alors... Ce sera surtout... Là, il y a une caméra... Là, il y a une caméra, mais elle finit ici. Donc, ce sera directement d'aller dans les toilettes. Après, on crochette ici. Ah ouais. Ah, il n'y a qu'une seule caméra. Le mec, on le maîtrise. Ouais, on va faire ça. On va y arriver. On va y arriver. Alors, toi. Toilette. 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 Je sais pas, y a pas de conneries, hein, y a pas de... Non, on est au P. Serrure accrochée. Toilette. Tu vas bien? Toilette. Vaste. Toilette. Oui. Toi, après, tu vas crocheter directement. Allez! J'espère que je fais pas de conneries. Le mec, il est où? Le garde, il est là. Première étape. Validée. Ah ouais, lui, ce truc-là, il est bien. Oui. Ouais, tu vas venir là. Pour désactiver ici, j'avais dit que c'était... Il faut rentrer là. Ah oui. Et ça, c'est l'Obkovitz. L'Obkovitz. Ouais, ouais. Ouais, bah tu vas venir là, Coco. Pendant que lui... Allez, go. Pour l'instant, on n'a pas besoin de le maîtriser. Ok. Je savais que si je clique pas, tu vas pas le faire.
Ok. Donc, ma belle. Ouais. Ça veut dire qu'ici c'est ok, OP. Tu vas pouvoir y aller. Ça fait quoi là? Ça a éteint qu'une caméra. Je regarde effectivement, elle est bien éteinte. Ça, c'est fait. On est bien. Il va falloir rentrer ici. Pour cette porte là. Qui pourrait être un bon refuge. Là, il y a une clé. Toi, le chloroforme. Tu vas le prendre. C'est toujours ça de fait. Lui, on va attendre qu'il parte. Et on va envoyer lui. Ah, par contre, c'est vrai qu'il y avait les murs là, cassés. On les reconnaît où, les murs cassés? Ah oui, d'accord, oui. Si, c'est évident. J'avais pas fait gaffe, mais... Ah, mais en fait, on peut accéder ici tranquillement. En pétant ici. Ok, et en venant, en sortant là, d'accord. Lui, il est où? Bah, c'est bon, on va faire ça, alors. Bah, gars, tu vas venir. Hop. On est OP, hein, la caméra. Y a pas de caméra, ici, hein. Non. Pendant que lui, de toute façon, il avance. De la compétence passe-muraille. Oh, le bruit que ça fait! Oh! Arrête. Parce que lui, il arrive. Et j'avais dit que... Ah bah ouais, parce que j'ai besoin de lui aussi de l'autre côté. Bon, tant pis, on va faire... Est-ce que toi, cocotte... Coureuse parée. Ouais, tu vas venir là. Et ça, c'est pas ouvert. Fermé. Ah, merde. Ah, bah, tu vas rester là. Il faut juste que j'attende. Mais lui, il peut pas faire péter, plutôt. Ouais, non. Bon, bah, on va attendre que lui passe. Tim. Tim. Ta-da. Parce que lui, il pourrait aller mettre le chloroforme, lui. Tu vas y aller. J'espère juste qu'il va pas se faire repérer. Ah, je sais pas si je vais faire chloroformer. Pendant que monsieur le catcheur... Yes! Nous avons donc accès. Tu vas faire ça. Ça, c'est bon. On a désactivé deux caméras. Ok. Sauf quand Coco va avoir besoin de toi. Ah, mais lui, je lui ai mis du chloroforme, donc il faudrait vraiment que je chloroforme celui-là. Je sais pas si ça va fonctionner, hein. Ah ben, si, c'est bon. Ok, et maintenant, il va falloir qu'on trouve une solution de repli rapide. Bishop. Bishop, tu sais ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Ouais, tu vas venir ici. Non, pas par là, mon petit ami. Tu vas venir là. Là, et crocheter par ici. Logiquement, c'est bon. Tu vas pas te faire prendre. Toi, c'est parti. Il va falloir que tu sortes parce que lui, il va se réveiller, il va avoir une envie de regarder un peu partout. Donc toi, tu vas venir aussi ici. J'espère qu'il aura le temps. Logiquement, oui. Alors, coureuse parée, elle va y aller aussi. Allez. J'espère que
tout va bien se goupiller. Putain, il y a des gardes partout, quoi. Ça, ils sont tous là-bas. Là, on est bien. Pour l'instant, on est incognito de chez incognito. Lui, il ouvre la porte. Oh, attendez. Non, il accrochette juste. Hein. Ah. Ouais. Comme quoi, il va refaire un petit tour. Ok, on est nickel. Toi, ma cocotte. Tu peux, s'il te plaît, ouvrir ça. Déjà, on a récupéré des sous. Tout va bien ? Ouais, ouais, tout va bien. Est-ce qu'on peut passer ici incognito ? On peut. Ah, la petite affiche Luna Stone. Excellent. Coureuse parée. Non. Non. Non, tu vas venir ici. Je suis prêt. Ouais. Ouais, ouais. Vaste. Il les voit pas. Ouais, parce qu'il est pas dans le champ de vision. Oh, ouais. J'ai beaucoup de... J'ai dû rêver. C'est bon, ils sont tous là. Là, la porte est ouverte. Et le garde est en train d'arriver. Donc, il va voir sa ligne de mire. On va attendre qu'il passe tout doucement. Et Lobkowitz. Technicos, pareil. Il va venir là. Oula, et lui, là. Il le voit pas, mais je préfère qu'il parte. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait venir, lui. Ok, vas-y. Ça, on aura accès à cette salle-là. Ici, nous êtes sommes safe, les enfants. Ok. Et il faut rentrer de l'intérieur. C'est quoi ça? Destructeur de capteurs. Détruit définitivement les barrières optiques en 5 secondes. Waouh! Mais c'est très bien ça, les enfants! Ici, nous avons un truc. D'accord, on va désactiver là. Ça. Ça, elle est désactivée. Alors. Ok, bon, on va faire passer tout le monde ici. Lui, il est loin. Oui? C'est quoi le topo? Ouais. Hey, go! Nous sommes safe, les enfants. Nous sommes safe. C'est quand vous voulez. Ouais, je sais. A priori, ici, c'est bon. Toi, tu vas casser le truc ici. Pendant que toi, tu vas ouvrir ça. Tu vas bien? Lobkowitz, tu vas venir là. Ouais, je suis en train de voir. Lui, c'est bon, il va rien entendre. Bien, j'adore ces mecs. Ça, c'est Cocotte qui va y aller. Oh, il y a une petite... Et j'ai pas de pied de biche. Et une autre déteinte. Wouhou! Après, non, non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça. Donc c'est toi qui vas t'y coller. Finalement, la porte elle s'ouvre. Ça servait un peu à rien. Ouais, enfin si. Ça va. Là, c'est ici à l'intérieur. Et à l'intérieur, est-ce qu'il y a un garde? Par contre, il nous faudrait bien un pied de biche. Est-ce que lui. Il peut ouvrir. Ça. Il peut faire les crochetages et coffre-fort. Bah écoute, tu vas faire ça, mon petit. Ici, c'est Lobkowitz. C'est parti. Je préfère juste vérifier qu'il n'y a pas de garde. Ce serait un peu con-con. Il y a lui, mais il vient pas.
Et t'avais l'autre là. Il est là. Non, lui il a un truc complexe, mais il vient pas non plus ici. Sans je peux faire. Non, c'est pas ça que je vais faire. Info sur les gardes, voilà. Non, on est tranquille, il y a personne qui vient. Ok. Donc Lobkowitz, tu peux venir ici s'il te plaît. C'est quand vous voulez. Tu peux prendre ça toi. Yop là, on a récupéré un deuxième coffre. Donc ça, ça désactive ici. On est OP, Bishop, tu vas pouvoir désactiver. Oh, nous, on ouvre tout, parce que ça peut servir. Ah ouais, et donc ma petite coureuse préférée, elle va aller là. Désactiver ici la barrière optique. Bien fait. On est bien. Pour l'instant, j'ai pas trop mal géré, je pense. Viens me mettre des... Jeter des fleurs. Ça, c'est fermé. Il faut l'ouvrir là. Alors là, par contre, ça va peut-être se corser un peu. Cette porte-là, elle était juste pas... Pas compliquée, machin. Là, il y a que lui qui pose problème. Mais on a une caméra. Après, on peut passer sur le côté. Crocheter ici. Ça, c'est pour la barrière optique seulement là. Lui, vient là. C'est ma coureuse qui va y aller. Dès que lui, il aura tourné son nez, elle va aller ici. Elle va désactiver. Et Lobkowitz va y aller aussi. Son Lobkowitz, il est prêt. Mauvaise idée. Merde. C'est parce que c'est fermé. Ah, d'accord. On retourne là. Ça, c'est fermé. Mais il faut que je l'ouvre là. Oh là là. Ok. Donc, heureusement ici, c'est safe. Hein, parce que on va devoir aller... Ici, Bishop. C'est quoi, topo ? Bishop, on peut pas aller là. Donc tu vas venir ici. Bah non, pas comme ça, mon gars. Tu vas venir là. On n'a pas d'autre alternative. Attends. Non, c'est bon. C'est comme il est pas très très rapide, le Bishop. Tu vas ouvrir là. Le catcheur, ça fait longtemps qu'il a pas servi. Ouais. Tu viens là ? Bishop. Oui. Reviens là. Oh, comment je l'ai échappé belle sur celle-là ! Oh la vache ! Est-ce que le catcheur, il va aller s'en prendre à lui ? Bien. Vas-y. C'est parti. Attendez, ma coureuse, je l'avais laissée ici. Hein. La coureuse, prendre de l'obscurité, ce qui est moins. Ah non, mais l'autre, il est juste là. Toi. Ok. Bah tu... Ah ouais, il peut pas. Ah si. Parce que ça, c'est elle. Je suis en train de me demander... Lui, il est là. Ok. Je peux y aller.
Ça, c'est bon. Tu peux faire ça. Non, c'est Lobkowitz. Merde, mais Lobkowitz, il est là. En fait, du coup, là, c'est fermé en permanence ou pas ? Ok, donc tout est ouvert. Mais il faut désactiver ça. Et ça, c'est pas du tout ici. Donc, Lobkowitz. Lobkowitz, toi, tu vas redonner. Ouais, ouais. Lobkowitz, est-ce que c'est safe ? Tu peux revenir ? S'il te plaît, rapidement. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, je suis en train de me faire avoir. Merde. On bouge plus. Waouh. Oh putain, il a intérêt à vite se barrer. Oh, il y a un mec juste là. Ouh, ça craint du boudin. Lobkowitz, tu peux t'occuper de ça? Faut que toi que tu te barres, mais de ouf. Dépêche-toi. Putain, est-ce que l'autre il se réveille? Je sais pas, viens ici. On va faire venir Bishop. Bishop, non, Bishop, tu vas t'occuper du coffre-fort. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Parce que là, ils sont visibles. Alors les deux aussi, mais de ouf. Ils pourraient aller en face. Il y a quoi à faire ici? Il y a crocheté là. Il faut qu'ils y aillent ici. Bishop, 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 t'es là. Parce que ils sont juste là et il faut absolument qu'on soit planqué, quoi. C'est parti. Au travail, futur rêveur. Bon, alors, leur tour de garde. Pas plus que ça. Est-ce que du coup on profiterait pas d'envoyer Bishop on va lui faire prendre sa pilule pour aller là. Oh là, c'est qui tout double hein. Mais non, il y a une putain de caméra. Comment je me suis fait griller? J'avais pas vu la caméra. Je suis bête. Il faut passer par là. Oui. Cléopâtre, c'est à toi de jouer. Comment on fait pour l'utiliser? Ah, je sais pas. Là, franchement, j'ai... Lui, il est en mode speed. Bah écoute, tu vas venir là. Hein. Ah putain, il est déjà là! T'es encore en mode speed, toi? Bah tu vas venir là. Mais il faut vite... Il est où l'autre? Il est là. Coureuse parée. C'est combien de temps? 30 secondes, hein. Faudrait mieux de revenir. Oh, allez dans la merde. Oui.
passes par où, toi? Lobkowitz? Ouais. Oh, merde! Oh, merde! Ouais. Ah, la vache! La vache de vache! Putain, mais par contre, il n'y a que Lobkowitz qui peut venir ici! La caméra, elle est pas remise en route. Hop, ça y est, la caméra est revenue en route. Ils sont safe là-bas, les autres sont safe là. Il est parti, il est là. Eh ben, écoute, on va avancer. Toi, tu vas aller là. Non, toi, tu vas pas aller là. Tu vas aller là, là. Et puis, on va le choper. Le but, c'est d'aller ici. Hein. Bon, on va attendre patiemment qu'il fasse son tour. Hein, parce que là... On bouge plus. Viens, tu. Ouf, j'attends. Viens ici. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une mallette. Mec, prends la mallette. Lobkowitz. Voilà. Ok. On y va. On y va. Là, c'est... Oui. Au travail. Ça, c'est un truc à minuterie. Hein. Alors ? Mieux de revenir. Là, la porte, elle est... Putain, d'accord. Ok. Je suis prêt. Bishop, tu vas venir faire ça. Ouais. Toi, tu vas venir faire ça. Ce n'est pas le domaine. Ok, j'ai compris. Ça va barder, le topo. C'est pas ouvert. Tu vas rouvrir la porte. Ouais. Je vais faire venir tout le monde devant. Peut-être que je fais une grosse connerie. Tu vas rouvrir ça. Et c'est Coureuse qui va y aller. Mais par où tu vas, cocotte? Ah, mais pourquoi je me complique la vie? Maintenant. J'avais pas vu. Négatif. Ça va. Voilà. Alors? Ouais, bah à 2 secondes, non, que je te de... Oui. Ah oui, une caméra. Ah, là, il y a un coffre-fort. Oh là là, là, c'est complètement interconnecté. Donc non, il vaut mieux aller y aller. Hein. Et toi, tu viens. Impossible. Est-ce que c'est judicieux de laisser Lobkowitz ici? De toute façon, on va envoyer... Le catcheur, il n'y a pas de caméra. Au travail. Waouh. Ouf. Prêt à en découdre. Attendez. Ah mais il est déjà là. Bon, il prend sa pilule. Tu vas être ici. Ouais. Mais ça active pas la porte. Coureuse. C'est quand vous voulez. Je suis prêt. Hey, ça va où? Oh putain.
va barder. Oui, ça va barder, ouais. Oh. Qui c'est qui va venir là? Faut qu'il vienne. Vache, comment ça flippait! Je suis visible! Pendant ce temps-là, tout ça pour gagner des sous. Mais en même temps, c'est pas que gagner des sous, c'est désactiver tout ce merdier-là. Comme ça, la porte, elle est aussi... voilà. Parce qu'il va venir jusqu'ici... faire un petit tour, donc... Ferait mieux de revenir. Ouais. Bah lui, on va le laisser regarder. Vu qu'ils sont tous planqués. Après, ils voient des portes ouvertes, ça les inquiète pas plus que ça, les mecs. C'est ça qui est bien. J'ai dû rêver. Ouais, t'as dû rêver. J'attends que lui reparte. Ouais. C'est quoi le topo? Ah non, lui, il est là, c'est vrai, faut pas que je le fasse venir. Bien sûr. Toi, tu peux venir là. Coureuse parée. Tu peux venir là. On va faire gaffe parce que là, ils se regardent l'un l'autre. Ah bah, maintenant, on attend qu'ils repartent par là pour que tu puisses l'assommer, que Bishop ouvre la porte et qu'on puisse aller ici. Ouais, c'est de l'attente, c'est de la stratégie. Oui. Par contre, toi, tu peux venir juste là. Ah mais merde, c'est pas vrai. Là je me fais avoir. Serrure crocheter. Voilà, tu vas rien te faire crocheter du tout. Il voit pas que son collègue est par terre. Par là. Ok, c'est bon. Bishop. Au travail. Tu te feras pas voir ce coup-ci. Ok. Je suis prêt. Je suis prêt. Ouais. On y va. Vous rentrez tous là. Et maintenant. Faudra que je fasse gaffe parce que c'est quand même ici que l'autre passe à chaque fois, donc allez, on respire un coup. Ici, il y a un truc à désactiver. Oui. Bon, on va faire c'est quoi le topo? Ça, c'est fait. La barrière optique ici qui fait qu'on peut... Oh là là, mais c'est d'un compliqué. Mon dieu. Ça, ça désactive la barrière ici. Donc on faudra, quand lui il a le dos tourné, que coureuse elle y va. Ça maintenant c'est ouvert. C'est quand vous voulez. Coureuse, elle va y aller. Dès qu'il se barre. Ça, c'était pour ça. Lui, il va se poser des questions, mais il viendra pas à l'intérieur, donc là, on est bien. Est-ce qu'il y a pas un petit coffre ici? Non. Bon. Il y en a là.
c'est juste fermé. Ok, on va y aller. Ça me fait flipper parce que à partir du moment où c'est juste fermé, j'ai l'impression que tous les gardes vont se pointer aussi. C'est pas le cas, mais... Est-ce que ma coureuse préférée... la caméra... C'est ici. Ah, il faudrait aller ici. Ici c'est juste fermé. Ici c'est juste fermé. Ah! Ah, ma coureuse! Vite. Bon, lui va sortir, mais dès qu'il sera à l'intérieur, tac, 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 on va ici, on désactive pas mal de choses. Ah ouais, c'est là le jeu des barrières optiques, en fait. D'accord. T'es Bishop, tu peux prendre... Ouais, tu peux prendre ça. Et après, tu crochettes cette porte-là. On y va. Par contre, ils sont un peu lents quand ils ouvrent les portes. Ok. C'est désactivé. Ça, ça. Il faudrait désactiver ces deux-là. Et là, non, elle va pouvoir le faire toute seule. Donc par contre, c'est dès qu'il s'en va. C'est chaud, mais elle arrive... Ah putain, il y avait une mallette. Il y avait une mallette. Merde. Ouais, mais c'est pas grave, elle va y retourner. C'est pas un souci. Oui, elle est passée, elle est passée, elle est passée. Ah merde, elle les a réactivés. Attendez, ça veut dire que ses potes, ils peuvent pas passer. Là, tu réactives du coup. C'est-à-dire que dès que lui rentre, il va falloir que je fasse venir quelqu'un, l'un des trois, ici dans le coin là. Comme ça, elle désactive. Je dis bien pas des conneries. Elle désactive. Il vient là, elle désactive, il passe là. Je vais envoyer le catcheur. J'ai pas du tout regardé le tour 2. Putain, il va le voir. Non. Ouh, c'est chaud. Vas-y. Oh là là, j'aurais peut-être dû envoyer Bishop parce qu'il faut crocheter. Merde! Mais quelle connerie! Ah! Ça désactive lui! Ok. Cocotte. Alors je suis pas sûr que ce soit le bon. Mais si je suis obligée de toute façon. Mais sauf que lui, wow, ça va être chaud. Mais ils seront ici, ils seront safe, donc c'est bon. Lobkowitz, ouais. Faudrait que tu viennes ici aussi. Et elle peut sortir là tranquille en fait. Oui. Ouh. On est bien, on est bien.
bien. On est bien les enfants. Lui, il va falloir qu'on le tape. Parce que là, on arrive à la salle. Il faut qu'on aille là. Ici, ça s'ouvre, d'accord. Minuterie. Ça. Il faut désactiver. Ouais, il faut désactiver en allant là-bas. Et il y a deux gardes. Bon bah c'est parti. C'est quoi le topo? Et maintenant? Oui. Quand vous voulez. J'attends. Ouais. Voilà. Elle, je sais pas trop ce que je vais lui faire faire, mais bon. Technicos, pareil. Oui? Ok, ça c'est bon. Faut activer ça, mais faut désactiver. Ça, c'est ouvert. Il y a une caméra droit devant. Oh la vache. C'est toi qui as l'aimant. Ouais. Mais t'as l'aimant. Donc ça va être obligatoire de... C'est parti. Je suis obligée de le faire aller lui. Lui et puis même Bishop, j'ai plus besoin de toi. Tu peux venir là du coup. Toi. On risque d'avoir besoin de toi. Non, ah, je me suis gouré. Toi, tu viens là. Je suis obligé. Ouais, bah ouais. De le faire venir là. Ouais. Ça va barder. Technicos, pareil. Mais le truc c'est que flagrant. Bah ouais, j'aurais dû faire lui avant en fait. Eh, tant pis hein. Bien reçu. Je suis démasqué. Hey, bon. J'ai réussi. Ouais, j'ai pas fait beaucoup, hein. Là, c'est pas ouvert. Mais ils m'en font... Ouais, faut absolument... Parce que là, je suis flagrant et ça craint. Lui, il va venir ici. On est OP, y'a personne. Hein. Putain, Bishop, il aurait pu ouvrir. Ah. Ici, c'est bon. On y va. La pierre de lune est en place. On peut faire l'échange. Oh la vache. Là on est bien. On est bien. Et il faut qu'on rentre. Lui il s'occupe hein, de machin. Donc... C'est parti. Oh Bishop. On a besoin de toi. Mais de toute façon je suis obligée parce qu'il faut crocheter ici. Mais il faut ouvrir cette porte. Je sais pas du tout comment ça va fonctionner. C'est tout? Je peux prendre ça. J'ai dû rêver. Prendre les semelles. Ok.
Ça, c'est fait. Cocotte. C'est quand vous voulez. Ouais, toi, tu vas venir choper la pierre de lune quand même, parce qu'il faudrait pas partir sans. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il faut envoyer la réplique à l'exposition. Oui. On a déjà fait un truc. Bah écoutez, je vais aller retourner là-bas. C'est peut-être ça qu'il faut activer. Oui, c'est ça. Parfait. La réplique est en place. On se retrouve devant la vitrine. Bah oui! Bah oui, la réplique est en place. Voyons. Lobkowitz. Ouais, Lobkowitz, tu peux venir là, du coup. Ça va barder. Un coffre-fort qu'on va devoir laisser tomber. Je pense que la sortie est par là. Je m'avance pas, mais... Il y a tellement de trucs à faire encore. Ça, c'est ici que ça désactive. Là, ça désactive là. Elle est verrouillée. Là, il faut aller ici. Ok. Venir ici, toi. Bon, j'ai pris le temps de la réflexion. Et en fait, je suis obligée de revenir en arrière parce que ici, je n'ai pas désactivé ça. Et il le faut parce que sinon, je suis incapable de sortir d'ici. Enfin, je peux sortir là, mais... Et encore... Voilà. Je peux pas, en fait. Je suis obligée du coup de repasser là. Donc lui, il va redonner un petit coup. Ouais. Je vais envoyer Lobkowitz ici avec la coureuse. Je suis obligée. Parce qu'il faut que la coureuse elle aille désactiver par ici. Sauf qu'ils sont obligés d'être deux. Prêt à en découdre. Pour pouvoir revenir ici. C'est un peu chiant, mais... Technicos, pareil. Alors ? Voilà. Et il faudra qu'elle retourne. Quand lui il a le dos tourné, et bien sûr pas que j'oublie que lui il punch à chaque fois. Merde, et elle vit. Oh, c'est pas vrai, mais c'est lui là qui est chiant. Barre-toi. Voilà, je suis obligé. C'est compliqué, hein. Pas n'importe quel jeu. Ok. Mais en même temps, je suis en train de me faire n'importe quoi. Parce que là, ce truc-là, c'est Lobkowitz qui doit le faire. Et Lobkowitz, il est là. Et il peut. Bah, et puis en face, on peut pas passer. Je sais pas du tout. Bon bah, je vais réfléchir encore. Bon, j'ai réfléchi. Je n'ai pas d'autre alternative que de toute façon passer une barrière optique. Si j'ai bien capté. Sinon, de toute façon, je suis coincée. Sauf que c'est pas anodin qu'ils nous disent que ça résonne dans un rayon de 30 mètres et on voit le rayon de 30 mètres. Et en fait, là,
selon où je bouge, le rayon de 30 mètres bouge et on voit si les gardes ou pas vont être alertés. Là, ici, il n'y a que celui qui est sur la droite qui va être alerté. Parce que même celui en bas, voilà, il ne l'est pas quand il est à l'intérieur de la pièce. Et celui, quand il est ici, il n'est pas non plus alerté. Donc il faudrait que qu'elle le passe pile. Enfin, bien sûr qu'on ne les voit pas, mais je vais essayer de faire ça. Je ne peux pas faire autrement. Il faudrait que lui soit dans sa pièce. Lui, il ne part pas là. Et lui, qu'il soit assez loin, en fait. Et là, il y aura du bruit, mais personne n'entendrait. Parce qu'il n'y a pas de garde. Là, au fond, il retourne dans sa pièce. Ça va être bon. Ok, normalement, là, le temps qu'elle sorte de toute façon, lui, il va aller là. Et on est bon. Ah ouais, mais est-ce qu'elle peut passer derrière le... Ça passe, hein? Oui, il peut. Oh, putain, c'est vrai que c'est l'Obkovitz. J'ai fait de la merde. Mais tu vas aller là. Franchement, je sais pas ce que je fais, mais j'espère que c'est bon. Ça veut dire qu'aussi elle va pouvoir aller désactiver là-bas. Et c'est ce qu'il me fallait. Et ça, c'est bon, les enfants. Ne souffle qu'avec les interrupteurs. Oui, mais ici. Porte de sécurité, on va renforcer avec la serrure d'un standard. Et les exondants moyens de la force et les portes de sécurité détruites sont. C'est parti. Mais j'ai l'Obkovitz qui est coincé là. Attendez. Toi, tu vas redonner un coup. Du coup, l'Obkovitz, tu viens ici. Faut pas que j'oublie que elle, il faut que je la planque. Ah putain, mon coup là, j'étais obligée de passer par une barrière optique de toute façon, sinon je pouvais pas, j'étais coincée. Et je me suis dit, oui, le rayon de 30 mètres, c'est pas anodin qu'ils le disent. Lui, il est où? Il est là. On a encore. On peut passer jusque là. Ah oui, merde! Je lui ai mis un truc anti... Oh, barrière optique et je l'ai pas utilisé. C'est pas grave. J'ai quand même réussi à la faire passer sans problème. Ouais, elle aurait une clé? Non. D'accord, j'ai rien. Donc non, tu vas... Tu vas te planquer, tu vas venir là. Porte à interrupteur. Est-ce qu'après, je vais essayer de la faire... Soit elle est là. Ah, c'est l'Obkovitz. L'Obkovitz, il va venir. Il bouge son cul. Ouais, bien. Ok. Parce que là, il va la voir. Ah ouais, elle va se faire choper. Lui, il est où? Il est en train de. Il y a moyen. Là, il a. Il a. Par contre, au niveau de la barrière optique. Au travail. On y va. Au niveau de la barrière optique, c'est lui qui va le faire de l'intérieur. L'Obkovitz ! Ouais, ça va. Bah, on fait avec. Oui. Coureuse parée. Elle va se faire
choper. Merde. Ça va barder. Et maintenant. J'attends. Oh putain, ouais, viens. Bouge-toi parce que le gars il va venir. Ah ça y est, la deuxième barrière. Ouais, ne traverse pas. Ça rétablit. Ok, donc le Pukovitz. Est-ce que tu peux mettre ton aimant? Mais si, t'as un aimant là. Moi, je peux pas utiliser. Non. Tu vas juste faire ça. Ok. Oh, le chemin de la sortie est libre, les enfants. Ah! Elle est où? Elle est là. Alors? On va faire cache-cache avec le gars, tu vas venir là. Pour l'instant. Putain, par contre, il faudrait baisser la jauge de danger. Lui, il va venir là. Hein. Le catcheur, faut que tu te barres. Vas-y. Viens ici, mon catcheur préféré. Bishop, Catcher, Lukovitz et elle. Oui. Ok. T'es visible ou pas? Mets-toi là-bas. Ok, ok, on est bon. Ouf. Ouf. Moi, je voudrais vraiment qu'il utilise l'ordinateur. Recablage. Non, tu vas pas recâbler. Bah, l'ordinateur. Son aimant. Il faut les terminaux de caméra. Ouais, bah oui, mais il y en a plus de terminaux de caméra. En fait, tout à l'heure, je pouvais, est-ce que c'était un truc de caméra. Là, c'est juste barrière optique. Donc, en gros, on va finir la jauge de danger à démasquer. On a découvert 9 trésors sur 12. Il y en a un qu'on a laissé délibérément ici parce que Bishop était trop loin. Les autres, je ne sais pas où ils sont. C'est-à-dire qu'on a commencé là. Ils sont où les autres trésors? Je ne les ai pas trouvés, moi. Peut-être dans une salle qu'on n'a pas été explorée. C'est vrai que cette salle-là... On n'a pas été dans celle-là. Elle nous est d'aucune utilité. Ah si, on a été à côté, mais on n'a pas été dedans. Ok. La voie est libre, hein, pour sortir. Lui, il va faire son petit tour. De toute façon, il n'y a que Cléopâtre qui doit se barrer. Donc, on va la faire partir avant. J'ai dû rêver. Voilà. On y va. Merde, mais qu'est-ce que tu regardes là, toi? Tu peux venir là, ma belle. Putain! Je suis trop conne! Je me suis fait baiser là. Bon, c'est pas grave, je vais me faire choper
Ouais, elle peut plus sortir. J'ai foiré mon coup. Désolée. Bon, c'est pas grave. On recommence. On était presque bon, putain. C'est tellement chaud. C'est tellement chaud. Mais j'adore. Je suis accro. Alors, ça va nous remettre où? Parce que j'essayais de la faire partir, mais effectivement, je me suis gourée. Alors. Non, on est encore tous en sécurité ici, c'est parfait. Ah, par contre... Info sur les gardes. C'est mieux. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ah ouais, parce que là... Comme il y a plusieurs regards à la suite... En fait, je dois tous les mettre là. Il n'y a pas que elle. On va faire ça, hein. Dès que lui l'aura tourné par là, on pourra y aller. Ah, je suis quand même démasquée, ça me fait chier. Oh mais il est chaud quand même à ce niveau. Hein. Et je sais que ça va aller que de pire en pire. Alors, je regarde. Il est où, lui? Lui, il est là. Ouais. Bah... On va tous aller là. Ouais. Non! Je suis prêt. Tout va bien? Ok! On va y arriver, on va y arriver. Lui, il est où? Il est là-bas. C'est bon, les enfants, on va pouvoir... C'est quand vous voulez. Au travail. Ouais, ouais. Oh là là. Et maintenant. Allez, go. Bon, je vous laisse. Bonne chance en prison. Voilà. Ah bon, on a réussi! Oui! Ah, bon sang, bon sang, bon sang! Et je veux dire, là, c'est hard. On est démasqué, ça me fait chier. Mais bon. C'est canon. Il y a quand même 27 minutes de jeu, j'ai enregistré tellement plus longtemps. Hein, le temps de réflexion. Ah, on a quand même volé 3500, c'est pas... Mais bon, je suis contente d'avoir réussi, j'ai que foiré une fois, donc c'est pas mal, effectivement. Boucle de caméra. Ah, faudrait que je l'essaye de l'utiliser. Source de bruit. D'accord. Porte ouverte. Vous avez débloqué le mode challenge, accessible depuis le menu principal. Dans ce mode, vous pouvez vous mettre à l'épreuve en accomplissant des casse challenges particulièrement difficiles. Oh ! Réussissez le coup parfait avec des voleurs de outils prédéfinis. Terminez la mission dans les temps et mettez vos amis au défi de votre score croûte. Très bien. Ouf ! Oh les mains ! Police ! À terre ! Les ténors du crime se levèrent. Écartez les jambes, les mains contre le mur. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. Si vous ne pouvez pas vous en payer un avocat vous sera commis d'office. Vous êtes en état d'arrestation. Bah oui. Tout s'est passé comme prévu. Notre équipe s'est fait coffrer. En profitant du tumulte, j'ai réussi à m'enfuir indemne du musée. Il a fallu déployer les grands moyens pour que Murray gobe tout ça. Poursuite en voiture hollywoodienne, course dans les escaliers de secours, passage de toit en toit. Les flics ont bien failli me serrer. Il faut dire que j'ai un peu hésité avant de sauter dans les égouts. Et tout ça avec la pierre de lune qui me picotait la peau, bien calée là où personne ne la trouverait. Au final, dans les cheveux. Tout s'est passé comme prévu. Personne ne s'est aperçu que les visiteurs du musée payaient pour voir un faux.
Et après quelques semaines, même Murray a arrêté de me surveiller. Il était temps pour Don César et moi de mettre en route notre plan pour faire évader les autres. Et les autres qui fussent. On connaissait un vrai pro qui était parfait pour ce genre de boulot. Un mec talentueux avec qui on avait déjà bossé et qui avait une lourde dette envers Rufus. Alors, journée porte ouverte à la prison de Saint-Quentin. Libérer Bishop, Lovkovitz et Rufus de Saint-Quentin avant de quitter la prison. Voler les matériaux illicites dans le bureau du directeur pour le forcer à ne pas piper mot de votre évasion. Nous allons donc à un nouveau voleur qui est Rocket. Mais ça, ce sera bien sûr pour la prochaine fois. Et regardez, on a atteint la deuxième ligne de métro, on va dire. Je pense que là, c'est niveau facile, après c'est niveau moyen, et là, c'est niveau difficile. Oh my god! Ça va être compliqué. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Crooks ou d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser un message. Moi, j'adore ce jeu. Je suis archi, archi fan, même si je réfléchis à fond et que des fois, je vois pas des choses évidentes. C'est comme ça, c'est le jeu. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut.